présence ce soir. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Cette présence qui nous fait tant de bien. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ton Père. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence. Oh Père, nous te recommandons ces instants. Que tous les autres noms disparaissent ce soir et qu'il ne reste plus que le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent ce soir et qu'il ne reste plus que le nom de Yeshua. Prends la place qui te revient de toi ce soir. Prends la place du roi ce soir. Ainsi de parler encore à nos cœurs ce soir. Ainsi de parler encore à un cœur assoiffé de toi ce soir. Que tout soit pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux bien le faire là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois ce soir? Celui qui est plus que le roi d'Angleterre qu'on a couronné la semaine dernière. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Est-ce que tu peux bien l'acclamer ce soir? Alléluia. Alléluia. On peut reprendre une place. Bonsoir à tous. Non, il va bonsoir à Anita. Elle est là, oui. Ah, on t'a pas bouillé. Comme si j'étais de l'autre côté, supportez-moi seulement. Qui était là le samedi passé? Regina n'était pas là, je sais. Qui était là? Seulement. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, le samedi passé, le frère Teddy avait parlé d'un sujet assez intéressant. Il avait parlé d'un sujet assez intéressant. Je vais survoler sur ça en quelques secondes seulement et entrer dans ce que moi je veux nous communiquer ce soir. Toutefois, je serai en train de continuer un peu ce qu'il a commencé le samedi passé. On est ensemble. Alléluia. Alors, il a parlé de l'avantage de bonnes résolutions dans la vie d'un jeune. L'avantage de bonnes résolutions dans la vie d'un jeune. Il a essayé d'introduire ça, les résolutions. Pourquoi on prend des bonnes résolutions? Parce que très souvent, chacun de nous veut réussir dans sa vie. Très souvent, tout le monde d'ailleurs veut réussir dans sa vie. Veut s'assurer de bien faire, veut s'assurer que le chemin que j'emprunte, le choix que je veux opérer, est un bon choix et veut s'assurer de bien faire les choses. Voilà pourquoi très souvent, on s'émet un peu pour réfléchir et prendre certaines résolutions. Plusieurs le font très souvent au début de l'année. Tu prends des résolutions au début de l'année. Cette année, je vais faire ça, je vais faire ça. D'autres le font chaque mois et ainsi de suite. Donc on prend souvent ce genre de réactions pour essayer un peu de garantir les bons fonctionnements des choses en ce qui nous concerne. Et il a parlé d'une première résolution qu'un jeune peut prendre dans sa vie, parce que nous, on essaye de contextualiser ça à notre niveau. La première résolution, il a parlé de l'attachement au Seigneur, l'attachement à Dieu. Et nous allons essayer de lire ça, là où, bien sûr, le président de Dieu avait dit dans Job 22. Job 22. Si tu as ta Bible, tu peux
lire avec moi. Job 22. Job 22, la Bible dit, c'est lui qui a trouvé peut aussi nous aider à lire. Quelqu'un a trouvé? 22 à partir du verset 22. Amen. À partir, s'il vous plaît, du verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu vivras ainsi du bonheur. Amen. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est là qu'il s'est attardé à nous parler de l'attachement au Seigneur. C'est la première résolution que tu devrais d'ailleurs prendre dans ta vie, que nous devons tous prendre dans notre vie, c'est de nous attacher au Seigneur. Quand même, je clôturais la prière, je disais qu'on ne doit pas d'abord s'attacher à ce que Dieu donne, mais à ce Créateur-là qui peut tout te donner. Imagine ton père à la maison, il t'apporte des choses, de lait, voiture, je ne sais quoi. Tu t'attaches plus à ce que lui t'apporte qu'à lui la personne. Il sera un moment lésé, n'est-ce pas? Il sera un moment lésé, tu diras, ah, mon temps, mon homme, mais il veut éveiller, bon. Allez, il ne passe pas plus de temps avec moi. Il ne m'aime pas, il ne fait rien pour moi. Seulement, il ne fait que bénéficier de ce que moi j'ai eu à bord. C'est comme si c'était un amour par intérêt. Voilà pourquoi il a martelé sur le fait de s'attacher à Dieu, d'avoir un amour profond pour le Seigneur. Amen. Et moi aujourd'hui, je vais continuer, c'est là, je vais parler de quelques résolutions. Il y en a beaucoup, mais je ne parlerai pas de toutes les résolutions qu'un jeune peut prendre. Les autres pourront peut-être les continuer. Moi, je vais parler ce soir de trois résolutions. La première résolution, je parlerai de l'intégrité. Nous allons lire dans le livre de Job, toujours parce que depuis que l'année a commencé, on est dans Job en tout cas. Job 1, verset 1, la Bible dit, « Il y avait dans le pays d'Oud un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'est détourné du mal. » Je vais reprendre. « Il y avait dans le pays d'Oud un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'est détourné du mal. » La Bible souligne qu'il était intègre et droit. Intègre et droit. Et l'intégrité, c'est la qualité d'une personne. L'intégrité, c'est la qualité d'une personne intègre. Et on dit d'une personne intègre, cette personne qui est, comme on dit dans la Bible, droit, incorruptible, vertueux, une personne honnête, une personne irréprochable. Tous ces synonymes-là nous aident à expliquer le fait d'être intègre. Quand on dit d'une personne, cette femme est intègre, on veut tout simplement dire que cette femme est honnête, elle est droite dans ses voies, elle est irréprochable, elle est vertueuse. C'est ça un peu tout ce qui caractérise l'intégrité. Ainsi, ce soir, j'aimerais dire à un jeune, parmi tes résolutions, en tant que jeune, pense aussi à l'intégrité. L'intégrité, elle est très importante dans la vie d'un jeune. Pas seulement d'un jeune, la vie de tout enfant de Dieu d'ailleurs. C'est une grande valeur que tu peux avoir, que tu peux posséder, que tu peux cultiver en toi. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, sûrement vous le connaissez, Joseph de la Bible. Il était intègre. Et vous voyez où son intégrité l'a amené. Imagine un peu, il avait aussi des projets comme toi, je vais étudier, ensuite si je termine, je fais un boulot, j'économise, j'investis, je crée une entreprise, tu t'es dit, certainement j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai ceci, cela, je vais me marier, tu as tous ces projets dans ta tête. Joseph aussi, il avait des projets dans sa tête, mais Dieu aussi avait des projets pour lui, et grâce à son intégrité, grâce à sa crainte du Seigneur, parce que l'intégrité est liée aussi à la crainte du Seigneur. Amen. Amen. L'intégrité est liée aussi à la crainte du Seigneur.
une personne qui craint Dieu marchera toujours dans l'intégrité. Et ton intégrité s'éprouve pas à l'église. Pas à l'église. Ton intégrité s'éprouve là où il y a plus de pression qui te pousse à la malhonnêteté. Un peu comme Joseph qui était exposé. Ton intégrité, c'est pas quand tu es encore ici, tu es étudiant, tu n'as peut-être pas grand-chose sur cela. Ton intégrité va s'éprouver quand tu as beaucoup d'argent là et que tu peux tout faire, tout est permis. Maintenant, il y a des sollicitations. Koto, comment on utilise les koto, basibaya, koto, ni. Quand il y a toutes ces sollicitations là, c'est là que ton intégrité est mise en épreuve. Amen. Donc, c'est une résolution que tu dois prendre. Ça ne vient pas comme ça. Parce que la résolution, par définition, c'est quelque chose qui vient de toi. C'est une décision qui vient de toi-même. Tu décides de marcher de cette façon. Tu décides de faire ça, ça. Ça vient de toi. On ne te l'impose pas. Voilà pourquoi, nous, ici à la jeunesse, on exhorte à chaque jeune d'avoir de bonnes résolutions, de prendre les bonnes résolutions dans la vie. Surtout des résolutions conduites par Dieu. Quand c'est Dieu qui t'est conduit à prendre ces résolutions-là, mon cher ami, je t'assure, c'est là qu'il aura toujours du succès. Nous allons un peu lire Genèse 39 pour voir un peu cet homme Joseph, comment il marchait, comment l'intégrité l'a payé. Genèse 39. Genèse 39 à partir du verset 16. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Voilà un homme qui craint Dieu. Il a cité, bien sûr, mon maître a confiance en moi, et tout, il y a l'église, il y a les pasteurs, toutes ces personnes. Mais au-delà de ça, il a dit, comment pécherais-je ainsi contre Dieu? Donc ton intégrité sera prouvée là où il n'y aura personne. Tu pars à l'étranger, ou ton santé, au fond, tu es à côté, à santé, ma part, tu es à côté, à santé, ta maman, ton frère, à santé. Sois intègre. Ton intégrité est prouvée de cette manière-là. Ainsi, tu dois cultiver cela. Regarde un peu comment la vie de Joseph s'est terminée. C'est vrai qu'il avait des songes, il avait des rêves, qu'un jour il sera grand, il sera élevé. Mais il ne savait pas comment ça allait arriver. Il avait un petit frère, mais moins souka, il n'y a pas un jour. Tu regardes tes aînés, oh là, t'as un Il pouvait aller avoir le projet qu'un jour je serai grand, je gagnerai ma vie très bien, j'aiderai mon père. Mais c'était un peu limité. Il ne pouvait pas s'imaginer que dans un pays étranger, tu deviennes un ministre. Toi, tel que tu es là, au Franca, à David, au premier ministre de la France, hein? Tu peux même pas me penser à ça. Tu dis, bon, moi je vais gagner ma vie, même si tu vas retirer à l'étranger. Tu te diras, je suis dans une terre étrangère, j'étudie, j'ai gagné ma vie, et puis voilà, je prends ma famille. Tu vas t'arrêter là. Oh, imaginez-moi un jour encore en prison aux États-Unis. Ça te ferait mon père. Joseph aussi. N'avait pas imaginé ça. Mais grâce à son intégrité, Dieu a vu comment il a marché. Imagine ce que Joseph sera sédaka devant la femme de Potiphar. Donc, tu es le
ce business. Donc il est lié qu'il peut avoir. Peut-être qu'il allait gagner sa vie, mais est-ce qu'il allait devenir ministre? Est-ce qu'il allait devenir ministre? Parce que là, ça prouve déjà que tu n'es pas intègre. Ton maître a confiance en toi, mais tu as trahi sa confiance. Colombe, la personne, tout un pays a géré. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trahir aussi la confiance. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera les grandes choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est les services. La deuxième bonne résolution que toi j'ai, que moi j'ai, pouvons prendre dans la vie vraiment active, c'est le service. Servir Dieu. Par définition, si vous voulez bien, le service, c'est le fait d'être à la disposition de quelqu'un, être un domestique de quelqu'un, être dévoué à quelqu'un pour faire quelque chose qui lui sera agréable, qui lui sera utile. Et si tu t'es posé la question, est-ce que tu fais un travail utile au Seigneur et agréable à lui? Tous nous sommes ici, nous ne sommes pas ouvriers ici, certains ne servent pas encore, j'ignore pourquoi, mais c'est un devoir, croyez-moi. C'est un devoir pour tout chrétien de servir l'Éternel. C'est un devoir. Et vous savez, les services, ce n'est pas seulement venir prêcher ici, chanter, je ne sais pas, faire les protocoles. Les services, c'est tout ce que tu peux faire qui est utile à Dieu pour la gloire de Dieu et l'avancement du royaume de Dieu. Tu peux être là, yopuya, donc même pas ici à la procession, même chez vous à la maison, tu pries pour les âmes, tu pries pour l'église, tu pries pour différents cas. Tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Quand tu le fais pour l'avancement du royaume de Dieu, tu es en train de servir Dieu. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. C'est une résolution que tu dois vraiment prendre dans ta vie, de servir l'Éternel pendant que tu es jeune. Parce qu'il arrivera un moment où tu ne pourras plus, même si tu as une très grande et bonne volonté. Il arrivera un moment où, au Bokasuke, tu veux bien, mais il y a tellement de choses, tellement de responsabilités. Et si vous ne le savez pas, quand tu as une famille à toi, genre toi, papa, toi, maman, ta famille passe avant les ministères. Ta famille passe avant les ministères. Parce que le fait d'être responsable dans ta famille, c'est aussi une institution de Dieu. D'ailleurs, la première institution de Dieu, la famille. Soyo, solidé, je vais continuer à servir. Oui, d'accord, on ne refuse pas, il faut continuer. Mais pas en négligeant ta famille. Tu vas commencer à équilibrer. Voilà pourquoi maintenant tu vas maximiser cela. De sorte que quand la famille viendra, tu feras en sorte d'équilibrer tout en continuant toujours à servir l'Éternel. C'est à ça que Dieu nous appelle. Nous allons lire Exode 23-25. Nous allons voir comment Dieu attache une importance capitale au service. Les services intéressent Dieu. Dieu s'attache vraiment à ça. Même Christ était venu pour servir. Il était venu ici pour servir. Pas d'abord pour manifester la puissance de Dieu d'une certaine manière. Oui, tout ça est inclus dans le service. Mais il était venu pour servir. Non, pour qu'on le serve. Comme il est le roi, les fils préférés de l'Église de Dieu, non. Il nous a montré les modèles du service. Exode 23-25. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Éthiens et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce chapitre. Dieu promet des choses à son peuple. Ces choses sont attachées au service. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il
bénira votre pain. Il bénira tout ce que vous ferez. Dieu attache une importance capitale au service. Ne les prends pas à la légère. Quand tu vois les gens servir l'Éternel, bon, mal aimé, la main, est-ce que les gens évoquent, je prie chez nous, je vais à l'église, la famille, la main. Non. On est sauvés pour sauver aussi les autres, pour aider aussi les autres à connaître cette vérité. C'est pas pour qu'on m'envoie à l'homme mon côté. L'homme des cieux, c'est pas pour les égoïstes. C'est pas pour qu'on m'envoie à l'homme mon côté. Non. C'est pour que tu te mettes au service du Seigneur. Amen. On va voir aussi Christ qui dit quelque chose de très important. L'évangile, bien sûr. Dans Marc 10, la Bible dit, Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu pour servir. Il est venu pour servir. Même quand il est venu pour donner sa vie pour toi, là, c'était pour servir d'abord. Pour servir. Il n'était pas là seulement en train de prêcher, mais il arrivait des fois où il s'est retiré aussi pour prier. Pour prier pour nous. Pour prier pour toutes ces personnes-là pour qui il était venu. C'est aussi un service. Alors, jeune, pendant que tu es encore jeune, prends cette résolution-là de servir l'Éternel. N'importe où. Bon, pas n'importe où, mais n'importe où, dans le sens où. Dans le corps du Christ, bien sûr. Prends cet engagement-là de servir ton Dieu. Personne n'est obligé, c'est vrai. Mais c'est un devoir. C'est lui qui t'a sauvé des démons. C'est un devoir que de servir l'Éternel. C'est un devoir. Alors tu vas prendre cette résolution. Si tu es déjà dans un département ici, gloire à Dieu, continue à le faire. Et il y a une manière aussi de servir l'Éternel. Là, je n'entre pas dedans. Mais il faut servir Dieu avec amour, avec dévouement, avec respect et honneur. Imagine, oh, servir Fatih. Ouais, secrétaire, on a été aussi méréca, peut-être, Nico, de faire, de je ne sais quoi. Comment tu vas faire ça? Ce jour-là, il faut qu'on voyage. Oh là, la tape est venue à Fatih. Pour l'eau, il faut voter. Moi, on va m'arrêter avec la tête. Tu feras tout. Tu vas bien te présenter. Tu seras là. Parce que c'est un président, à quel bon tu dois le nourrir. À combien de fois tu as le droit de voir? Toi qui les sers, tu les sers comme tu veux. Tu viens quand tu veux, quand tu peux. Alors que tu devrais le faire autrement. Avec beaucoup d'honneur, beaucoup de considération. Amen. Et toi qui les sers pas encore, prends cette résolution, prends cet engagement. N'aie jamais peur de servir. Ah, parce qu'on a pas ma maman va département, ils sont battants et délais. Parce que ma maman mongo, parce que là, maman, il faut. Oui, pour Dieu, il faut se sacrifier. Il s'est donné pour toi, n'est-ce pas? A dit qu'il faut continuer pour la Yuskoyo, pour servir ce service quand il y a un de quelques heures, pour quelques jours. C'est tout un problème. Non, ça doit vraiment monter dans notre cœur. C'est vraiment un devoir que nous devons faire. Amen. C'est vraiment un devoir. Prends vraiment cet engagement. Et quand tu le fais, fais-le de tout ton cœur. Même quand tu ne peux pas, demande la force au Saint-Esprit. Il est là pour ça. Il va t'aider. Nous allons prendre le troisième élément, la troisième résolution. Donc, la troisième résolution, c'est la confession. N'aie pas peur, hein? C'est pas la confession des péchés. On va pas confesser les péchés. C'est pas la confession des péchés. La confession. Alors, la confession, c'est une déclaration que l'on fait de quelque chose. Une déclaration, n'importe laquelle, que tu peux faire. Avec ta bouche, bien sûr. Alors, pourquoi je parlais de confession? Je pense encore à Job. Job était un homme intéressant en tout cas. Notre thème à Job 19, 25. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et même dans ce chapitre-là, avant de le dire, il a commencé à confesser des choses, à déclarer des choses.
qu'il n'avait pas encore vu, mais qu'il croyait dans son cœur qu'il allait voir ça certainement. Et toi aussi, tu as appelé à déclarer les bonnes choses. C'est une résolution que tu vas prendre. Je vois très souvent les gens avoir des déclarations négatives de foi. J'ai mon grand frère qui les dit, le monde spirituel ne connaît pas les blagues. Le monde spirituel ne connaît pas les blagues. Donc, quand on déclare ma vidéo c'est très dangereux. Tu dois apprendre à déclarer, à confesser de bonnes choses. Il faut que de bonnes choses, des paroles d'édification sortent de ta bouche. Tu dois sortir de bonnes paroles. Vous savez, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Amen. On est ensemble. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en est, on mangera les fruits. Tu dois apprendre à déclarer de bonnes choses. Attends, ma blague, pour le plan avec. Moi, mon grand frère, il vous répond toujours. Attends, la cheveux. Pour le plan, il faut se voir. Faut se témoigner. Faut déclarer à tous au pays. Faut s'accorder bien. Je vais déclarer. Je sais que mon rédempteur est vivant. Même si je n'ai plus rien, même si tout le monde m'a abandonné, je sais qu'il est vivant. Et cette parole-là, vous allez voir dans le dernier chapitre de Job, le chapitre 42, comment Job réalise que cette chose qu'il a dite, cette parole qu'il a sortie au chapitre 19, est venue trouver sa raison d'être au chapitre 42. Il a juste dit ça comme ça. Avec foi, il a dit malgré tout ce que je vis, malgré tout ce qui se passe, je sais qu'il est vivant. Apprends à déclarer de bonnes choses. Ne dis pas, on n'a pas un prof au Benza. Si on a suivi la cour, on a eu. C'est des moments où t'as dit qu'on suit la cour. On a des points. Il faut oser. On a pris la vie, sauf que papa devait venir au voyage. On a passé la première fois pour ton invité à la base en groupe. Pourquoi aller? Il y a tatana yo. Sigo, il faut poster la manité. Tu veux quoi? Je veux ça. Et je déclare cela et mon partage. Maintenant les blagues. Ne déclare jamais les mauvaises choses. Dans la confession, il y a aussi des injures. Il faut éviter ça. Ça n'en manque pas Dieu. Ta bouche là, c'est pour sortir des bénédictions de l'éternel. C'est pas pour maudire. C'est pas pour sortir des injures. Mais devez vraiment. Non. Tu es enfant de Dieu. Il faut que les bonnes choses sortent de ta bouche. Il faut que les bonnes choses sortent de ta bouche. Job a dit, je sais que mon rédempteur est bon. Et ce que tu déclares, crois-moi, ça s'attache à toi. Vous pensez que quand tu déclares, le roi m'avait défendu et il y a des fans, mais les bonnes choses, du coup, ça vient. À l'église, tu pries, tu déclares, je serai la tête et non la queue. Réfléchis ça un peu. Quand tu dis, je serai la tête et non la queue, ça va t'arriver, oui, tu seras la tête et non la queue. Mais là, quand tu sors aussi les mauvaises choses, tu penses que les fans, finalement, et il y a des. Ils vont là-haut. Le monde spirituel est là, ça casse. Et ça t'aide maintenant à vivre ça parce que tu as confisqué ça à ta mère. Même dans les rêves, ne confesse pas les mauvaises choses. Ne confesse pas les mauvaises choses. Il faut apprendre à confesser les bonnes choses. On va lire avant de conclure Romains 10, 19. Romains 10, 19. On va voir ce que la Bible dit à propos des confessions. À propos de paroles. Romains 10, 9. La Bible dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur. On a dit pour le cœur, tu dois croire qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. En confessant de la bouche, tu dois confesser de bonnes choses. Pour vivre la rédemption. L'année passée s'est terminée. On se dira, chacun a vécu la rédemption d'une manière ou d'une autre dans sa vie.
Mais comment tu l'as vécu? Par la grâce de Dieu, oui. Mais est-ce que tu as appris à confesser les bonnes choses? Quand l'année a commencé, tu as pris des résolutions de ce que tu vas faire, oui. Mais est-ce que tu as déclaré des choses aussi sur ta vie? Certains, oui, d'autres, non. Mais ce que tu as déclaré, non. As-tu la foi? Et la foi que cela va t'amener. Ce sont là les trois résolutions que tu dois prendre dans ta vie et ton chemin. Il y en a beaucoup. Mais j'ai été conduite à décider que ces trois-là, l'intégrité, les services et puis la confession. Confesser de votre parole. Je vous assure, faites même cet exercice-là. Imagine un enfant au bas de l'école. Ça s'en va. Le coco m'a bien dit. Ça va créer quelque chose dans ton psychique, tu cours au bout. Mais quand un enfant, tu lui dis, toi tu es une princesse, toi tu es une bonne fille, tu es un enfant d'études, toi tu vas réussir, toi tu es de... Et bien c'est courage. À ta part, il y a un poème. Soit il dit, toi tu ne sais pas faire. Alors ça, l'escouté. Mais quand tu lui dis, ah toi tu parles bien, tu sais bien les faire, tu as des jolis habits et tout, ça lui donne le courage. Quand moyen que soit, t'as la vue. Choses, même à nos enfants, à nos amis, apprenons à confesser les bonnes choses. Nous allons terminer par là, mais en lisant Job 42 pour voir les résultats de ce qu'a été cet homme. Job 42, au verset 2, la Bible dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. » C'est Job qui s'adresse à Dieu. Au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Au verset 7, « Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Job a été intègre jusqu'à la fin. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânes. Amen. Dieu a restauré Job au double de tout ce qu'il avait réussi. Si tu veux voir tes projets réussir, si tu veux voir tout ce que tu as planifié pour ta vie aller de l'avant, tu dois pratiquer ces trois choses, prendre ces trois résolutions de ta vie. Il y en a même quatre qu'on avait dit dernièrement, l'attachement au Seigneur. L'intégrité, même quand personne ne te voit, sois intègre, Dieu te voit. Les services, Dieu attache une grande importance au service. Apprends à servir Dieu, où que tu sois. Même dans ta famille, tu peux servir l'Éternel. Et confesser de bonnes paroles. Tu peux être là, tu sers Dieu, tu es intègre. Mais le barque ma parole à lui, ça va te bloquer à un certain niveau. Et Job, toutes ces choses, Job a pratiqué ça. Dans les chapitres 1, si vous pouvez lire, Job, quand ses enfants se réunissaient pour festoyer, après ça, eux le matin, il sanctifiait ses enfants. Il priait pour eux, il donnait une offrande pour eux. C'était une forme de service aussi. Parce qu'il se disait, peut-être qu'ils ont péché d'une manière ou d'une autre. Il était intègre, il servait le Seigneur. Et il apprenait à confesser des bonnes paroles. C'est ainsi que ces jours, la Bible dit, et Job mourut âgé et rassasié les jours. Aujourd'hui, les gens meurent à ton idée micolotée précocement. Tout ça, c'est dit d'une manière précoce. Ok, carré. C'est important pour nous jeunes de prendre certaines bonnes résolutions dans nos vies pour vivre la rédemption de Dieu. Cette année va prendre fin bientôt. C'est pas maintenant, mais bientôt. Tu dois apprendre à vivre les choses
que tu déclares pour ton année. Et pour vivre ces choses, tu dois marcher en accord avec cette parole de Dieu qui te demande d'être intègre. On te donne un boulot tellement que ça qui n'a pas ça au sein, parce que nous allons ici qu'avoir ça par ma bouille, par ma chia. Tu acceptes quand même parce que tu as besoin d'argent, parce que tu as des projets. Et qu'en est-il de Dieu qui peut te donner plus que ça, mais avec intégrité? Pense à Joseph, pense à toutes ces personnes dans la Bible qui ont réussi leur vie grâce à ces choses. Et toi aussi, tu veux réussir ta vie. La Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier avec les autres, il veut le faire aujourd'hui avec toi et demain avec tes enfants. Si et seulement si tu te mets en accord avec ce qu'il veut pour toi. Il dit qu'il a des projets de bonheur pour toi, pour t'assurer un avenir. Tu n'as pas à t'inquiéter en cherchant à faire du mal, le mensonge, tout ça, juste pour réussir ta vie. Non. Il se charge de cela. Ton marche juste comme il veut qu'il marche. Est-ce que tu veux incliner ta tête là où tu es? Pense à tout ce qu'on a dit, toutes ces résolutions. Il y en a d'autres aussi que tu peux prendre, selon que l'Esprit de Dieu te conduit. Et vous savez, les résolutions, ce sont des engagements. L'engagement, on ne les prend pas par plaisir de prendre. Quand tu prends un engagement, tu dois l'honorer. Job avait une alliance avec le Seigneur. Il a honoré son engagement. Il a honoré son alliance de rester intègre jusqu'à la fin. Et il a vécu l'avantage, les bénéfices de son intégrité. Ainsi, les résolutions que tu veux prendre, n'importe lesquelles, tu vas apprendre à honorer cela, à honorer tes engagements pour vivre le bénéfice de ces engagements. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je reconnais Seigneur que jusque-là, j'ai négligé encore ou j'ignorais encore certaines choses. Est-ce que tu peux dire à Dieu de tout ton cœur que ce soir encore, merci de parler à mon cœur. Merci parce que ce soir tu m'as encore rappelé de choses ou tu m'as enseigné de choses que je dois mettre en application pour vivre la rédemption de Dieu, pour vivre les bénéfices de l'alliance avec le Seigneur. Tu t'es dit, ça maman, à quoi qui s'en a, t'es à quoi qui s'en a ôté. Azali, les bénéfices sont là. Mais pour que tu arrives là, il faut que tu marches vers là. Et pour marcher vers là, il faut que tu appliques certains principes dans ta vie. Faute de quoi tu n'y arriveras jamais. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prendre encore des bonnes résolutions ce soir? Est-ce que tu peux dire encore à Dieu ce soir? Je pense que ton engagement de te servir. Mais pas n'importe comment, avec amour, avec intégrité, avec honneur. Je vais entendre un jeune prier ce soir. Je vais entendre un jeune aller à son Dieu ce soir. Dis à Dieu, à partir de l'élo, je ne peux plus confesser les mauvaises paroles. Voilà pourquoi certaines choses n'arrivaient pas dans ma vie. Parce que je confessais les choses négatives. La Bible dit que ce livre de la loi est sur un point de ta bouche. Pour que tu vives ces choses, il faut que tu mettes cela en pratique. Alors quand tu sors de bonnes paroles qui viennent de Dieu, tu vivras ces choses. Tu vivras la réussite. La réussite, il ne faut pas aller dans quatre chemins. C'est juste le Seigneur qui peut te le donner. Et au travers de tous ces principes, je veux prier ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux que tu m'aides. Aide-moi avec ces résolutions que je suis en train de prendre. Aide-moi, éternel Dieu. Aide-moi à honorer ces engagements. Des fois, je prends des résolutions, mais après, je tombe encore. Je ne respecte pas cela. Ce n'est pas un problème. Il est amour. Relève-toi et continue encore. Jusqu'à ce que tu vas tenir. Jusqu'à ce que tu vas tenir. Ou ça deviendra un. C'est facile pour toi. Est-ce que je vais
génération d'aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas facile de marcher dans l'intégrité, mais c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Dis à Dieu, Seigneur, je veux marcher dans l'intégrité. Je veux marcher dans l'intégrité. Le Saint-Esprit est là pour ça. Il est là pour ça. Il suffit juste que tu prennes cette résolution. Et encore, il va t'obliger. Mais Dieu ne viendra pas t'obliger de pousser à le faire. C'est lorsque tu prends cette décision, qu'il envoie son Esprit Saint pour t'aider à marcher dans ça. Est-ce que tu le veux ce soir? Est-ce que tu es prêt à prendre une résolution ce soir? Alléluia, Seigneur. Nous sommes tellement faibles, nous sommes tellement limités. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes tellement faibles, tellement limités, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yahweh.